qu'elles habitent, mais aussi les zones. Ben là, c'est plutôt la géobiologie, mais où elles vont s'installer, où elles vont s'allonger, où elles vont rester. Donc ça me redonne une toute autre connaissance de ce paysage. Et je ne pensais pas que j'allais vraiment découvrir ça avec elle. Elle, c'est Astrid. Elle nous a invités dans son paysage, sur sa ferme, ou plutôt la ferme dont elle est la gardienne. Pour le dernier regroupement de l'école d'agroécologie voyageuse, nous étions chez elle. Lors d'une intervention intitulée « Cultiver notre lien à l'animal », à l'école d'agroécologie voyageuse, donc, on a pu écouter Astrid nous parler et nous montrer son lien à l'animal. Elle a repris avec son compagnon Mathieu les terres familiales en Corrèze à Ségur-le-Château. Astrid a été paysagiste pendant des années et ne se sent pas encore légitime de se dire paysanne. Je regarde mes petites notes en même temps. Elle ne se sent pas non plus légitime de se dire totalement éleveuse, pour différentes raisons, et notamment le fait qu'elle dit qu'elle est encore très ignorante par rapport aux paysans qui ont développé pendant des dizaines d'années un bon sens paysan, un terme qu'on a aussi abordé pendant cette session de l'EAV. Elle a démarré un élevage tout petit il y a 3 ans, et aujourd'hui elle élève 15 brebis, 6 bovins et une quinzaine de poules plutôt. Ce petit élevage grandit au rythme des naissances, tout comme les dizaines d'arbres qu'elle a plantés sur les 80 hectares de terre et qui poussent à leur rythme. Le petit élevage d'Astrid grandit, fait peu à peu revivre le paysage en le fertilisant, en ouvrant des espaces pour que l'humain puisse y cheminer. Et ce petit élevage permet aussi à Astrid, par exemple, de devenir sage-femme pour ses animaux, en les laissant le plus autonome possible. Astrid ressent que le paysage a besoin d'animaux. En fait, il y a toujours eu de l'élevage sur ces terres, mais la monoculture qui a eu lieu ces dernières années a détruit en partie les sols. Et pour que les animaux et l'homme puissent circuler à travers tout le paysage, c'est super important pour Astrid de réinjecter des arbres et de recréer toute une trame d'ombre ininterrompue. Vous allez voir, en écoutant Astrid parler de son petit troupeau d'Aubrac qui vivent dehors toute l'année, et qui s'autogère, pour reprendre ces mots, vous vous connecterez, et ça c'est super important, à l'une des manières de se connecter à l'animal, de cultiver un lien à l'animal, et de petit à petit cheminer vers votre lien à l'animal. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc je me suis prise de passion pour les vaches. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elles sont tout le temps à l'herbe, elles se nourrissent uniquement d'herbe et un peu de fourrage. Elle belle en plein champ. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce de que plus. Tu peux nous dire comment tu cultives le lien, justement? Vous avez pu voir, j'y vais tous les jours. C'est une observation assez fine pour être certaine qu'elles vont bien, qu'elles ont suffisamment. Alors on tourne, là, c'est vrai que je les ai mis dans cette pâture un peu plus sale. Pas sale, en tout cas avec beaucoup de rumex, on va faire les foins par ailleurs plus bas et sur toutes les parties du bas. Donc elles sont concentrées là, le temps qu'on fasse le fourrage et après on les déplace. Donc elles bougent dans tout ce paysage, et c'est de la rotation, alors non pas dynamique. Je fais un peu comme il y a un petit chargement, je fais un peu quand même au feeling. Donc ma relation c'est ça, c'est une relation de paysage à l'échelle de ce paysage. Et on avance ensemble, on coévolue dans ce paysage. Donc pour l'instant, il n'y a pas tellement une relation d'élevage finalement. C'est plutôt une relation de bon soin. Je prends soin du paysage, elles en prennent soin aussi. Je prends soin d'elles, elles prennent soin de moi probablement aussi. Voilà ce que je peux dire sur nos relations. J'aime beaucoup l'idée aussi que le bélier ait intégré le troupeau. Pour des questions aussi de... J'ai dû sortir le bélier du cheptel de brebis. Et donc, j'aime beaucoup cette interaction de race et de voir comment, justement, il a trouvé une sorte de mère dans ce troupeau-là, qui est la petite Belle. Et ça cohabite extrêmement bien aussi, parce que je pense qu'il y a de l'espace, il y a une sagesse des espaces aussi, il y a Non, autre chose que je voulais dire, d'ailleurs très souvent quand j'arrive il y a le renard, donc il y a d'autres animaux qui se mêlent au troupeau, les chevreuils, le renard, très souvent le renard, il est toujours là, le matin j'arrive, il y a plusieurs renards et là encore pas mal de renardeaux, et donc je sens qu'ils coévoluent au même titre que les oiseaux sont tout le temps en ce moment sur le dos des brebis, d'ailleurs vous verrez il y a plein de fientes d'oiseaux.
sur les brebis. Donc ça, c'est quand même assez amusant. La vie emmène la vie. Et sur les histoires d'arbres, les vaches pâturent toujours. En tout cas, si je clôture, il y a toujours une lisière, il y a toujours un bosquet, il y a toujours... parce que c'est leur habitacle. Et la première chose qu'elles font quand elles changent de pâture, elles se dirigent vers le bosquet ou la lisière et elles vont explorer. Et je pense qu'elles prédéfinissent ensemble leur place dans de l'intérieur. Elles ont des véritables chambres qui leur appartiennent, je crois. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles tournent. J'ai l'impression, quand je viens les voir le matin très tôt, elles sont allongées dans le bosquet et elles ont chacune leur place. J'ai l'impression que c'est très ritualisé. C'est toujours la même place. L'autoroute a sa chambre de verdure et les autres aussi. Bon ben voilà, ma relation, c'est beaucoup d'émerveillement de voir comment elles se... Et ce que je disais ce matin, je ne peux plus imaginer ce paysage sans elles et sans les autres, bien évidemment, mais j'adore ça. Il t'a fallu combien de temps pour te faire accepter dans le troupeau ? Alors ça s'est passé, c'était avant, je restais quand même assez loin. Et puis il se trouve que Jonqui a eu un problème de... elle a dû glisser et donc c'était pas un déhanchement mais à une liaison. On n'a pas su très bien la situer mais boitait pas mal. Et ben, à un moment donné je me suis dit, ben voilà, je vais aller la masser. Et là je me suis rendu compte qu'elle se laissait totalement faire, qu'elle aimait ça. Et donc voilà, et donc ça a commencé vraiment, ça a déclenché chez moi l'envie de le faire. Et puis la confiance que je pouvais m'allonger, que je pouvais les caresser, qu'elles aimaient ça, qu'elles y répondaient. Le bélier, c'est pareil, je les ai beaucoup brossés aussi à contrepoil. Ils adorent se faire tripoter. Ce qui est moins le cas des brebis. Vous verrez, c'est une relation beaucoup plus distante, les brebis. Moi, je les manipule que s'il y a besoin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un quotidien, on n'a pas de lait, on n'a pas de... on n'a pas une production laitière, donc je n'ai pas une relation... Je les manipule pas. Si elle veut pas se laisser toucher, je touche pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que ce soit mes toutous. Je m'en fous. Et avec les brebis aussi, je les touche uniquement s'il y a un besoin. Enfin, là, elles ont besoin. Elles adorent se faire gratter, mais je les manipule plutôt que s'il y a une urgence, un besoin ou si je dois intervenir. Mais donc c'est pas quotidien. Donc il y a encore un. Elles sont quand même ensauvagées. Elles sont très très libres et très autonomes. Elles n'ont pas d'obligation envers moi, j'en ai pas vraiment envers elles, si ce n'est que intervenir si besoin. Et puis dans cette histoire de relation, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai jamais eu de vache de ma vie, j'ai jamais été dans un élevage ou une ferme, donc j'ai pas appris, j'apprends vraiment avec elles. Et c'est ce que je disais, j'adore ce côté, justement l'intuition. Quand le moment est là pour les toucher, ben, il est là. Je ne me donnais pas d'obligation avant. Quand je suis prête à, on y va. Et j'adore ce rythme finalement de l'ignorance. Elle m'emmène sur des chemins. On coévolue, mais moi j'apprends grâce à elle. Je ne suis pas du tout vachère, je ne me considère pas pour l'instant... Mais bon, maintenant, je peux, si je dois faire une piqûre en plein champ, je peux le faire. Donc ça, c'est quand même bien parce que maintenant, avec cette relation, donc je peux faire des petites interventions. Après, s'il y a un réel problème au vélage, par exemple, c'est sûr qu'en plein champ, c'est compliqué. Voilà, on a un système aujourd'hui qui est formidable si tout va bien. Mais il faut accepter une part de, malheureusement, s'il y a un gros souci, ça devient effectivement beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc on va quand même mettre en place un tout petit corridor pour que je puisse éventuellement, s'il y a un vélage qui ne se passe pas bien, les ramener, être aux soins, fermés. Parce que là, quand elles vêlent dans zone humide, en contrebas, vous avez une ripisylve, c'est extrêmement humide, où elles aiment se mettre l'été. Ben, si elles veulent là, on est très loin, je ne vois pas parce qu'elles cachent aussi leur veau. Elles retrouvent totalement leur instinct, elles s'écartent du troupeau, elles vont cacher leur veau. Donc moi, je dois pouvoir, je n'ai pas encore la communication où elles ne me disent pas où est le veau. Donc c'est sûr que ça... Ben, j'accepte, c'est une part de, effectivement, c'est une part de mise en danger. Ça peut être pour elles, ça peut être pour le petit veau. Ça peut être pour l'humain aussi, parce que intervenir en plein champ, c'est pas toujours évident. C'est systématique, voilà. L'intervention quand le veau arrive? Non, il n'y a pas d'intervention. Enfin, nous, on n'intervient pas.
Et s'il y a un problème, par exemple au vélage, si le veau n'arrive pas à sortir, ce qui peut se passer sur des, très couramment sur des brebis. Ici, c'était des vaches qui sont arrivées de l'Aubrac, qui étaient déjà, et c'est pour ça aussi qu'on a pris ces vaches-là, qui avaient déjà vélé, donc qui avaient eu des vélages. Donc ça facilite, c'est pas des jeunes. Ça va être plus difficile sur une jeune génisse, enfin, sur une génisse qui n'a pas encore vélé, où là, il va falloir être extrêmement attentif, parce que bah, là, c'est possible qu'elle ait du mal, ou pas. Mais ça a l'air, pour l'instant, oui, non, on n'a pas eu à intervenir, en tout cas au moment du vélage. Et ma relation aussi, puisque là je vois, je ne sais pas si elle mangeait un petit chardon. C'est ça, c'est qu'elle me montre ce qu'elles aiment, comme ça elles sont en contact avec les différents types de fourrage, différents bosquets, donc je vois très très bien, je commence à comprendre assez bien leur bol alimentaire et vers quoi, en termes de feuillage, de ligneux, même d'herbacées, vers quoi elles vont. J'adore l'idée que les parcelles, effectivement vous êtes face à une parcelle qui n'est pas, je ne sais pas comment tu la définirais Hervé, mais il y a beaucoup de rumex, il y a du chardon, on ne peut pas dire que ça soit exemplaire pour elles, mais elles glanent. Et ça j'adore, ici elles glanent, donc elles ne sont pas dans un pâturage dynamique où elles vont avancer en mangeant et elles ne lèvent pas la tête dans ces cas-là, parce que tout est bon là, par exemple, si elles sont là. Ici, elles passent leur vie à bouger, à glaner, à aller chercher, à suivre aussi ce qu'on leur propose. Et ça me va bien, on n'est pas dans une histoire de performance. Je pense que malgré tout, elles enrichissent. Bon, ce n'est pas exemplaire, parce qu'il faudra probablement beaucoup plus grand, un plus grand troupeau, mais il va s'agrandir, parce que c'est l'idée. Au fil des années, parce qu'on va, le village se passe ici. Mais je pense qu'elles donnent quand même l'information, et je le sens. Elles ont déjà donné l'information à ce lieu qui avait une présence animale, aux lisières, voilà. Je sais aussi qu'il faut planter encore ici, même si vous voyez, on n'a pas commencé du tout les plantations. Toute cette coexistence d'arbres, de parties arborées, d'ombres, justement de bol alimentaire et de nourriture fourragère, eh bien, il va falloir compléter ce paysage. Mais déjà qu'elles arrivent en premier, elles vont pouvoir nous donner les indications et les bons endroits pour planter, et peut-être se fier à elles pour les futures plantations, plutôt que de se fier à la topographie aussi. Mais c'est peut-être elles qui vont nous donner les indications selon leur circulation.